Bon, alors je me pose une première question, j'ai la réponse. Je ne suis pas un Superman du froid. Ça n'existe pas. Il y a une chose devant laquelle les êtres humains de tous les pays du monde, quelle que soit l'origine, le pays, la couleur, sont égaux. Alors je pose la question régulièrement dans les classes, alors c'est rigolo, on me dit, le nez, oui c'est vrai, on a tous un nez, les oreilles, etc. Non, il y a une chose devant laquelle on est tous égaux, c'est la température du corps. 37. Puis c'est précis, hein. 37. Vous voyez? Et 37,5, c'est déjà de la fièvre qui te fait bricule. 37, c'est d'une précision incroyable. Toute notre biologie, qui est d'une grande complexité, toute notre biochimie est calée pour fonctionner à 37. Alors on peut s'interroger qui a mis ça au point. C'est tellement de précision que tout est permis. On peut tout imaginer. Au-delà du hasard, de l'évolution, on peut quand même s'appeler d'imaginer que peut-être il y a un magicien. Et donc, il n'y a pas de superman du froid. On doit gérer son stock thermique, son capital thermique. Et on est chaud. On est encore chaud. Faites l'expérience à la maison. Mettez l'eau à 37 degrés et mettez la main dedans. Vous allez voir, c'est chaud. On est encore très chaud. Vous voyez, on ne s'en rend pas compte. Donc, il y a deux choses à faire quand il fait froid. C'est compliqué. Il faut se couvrir et bien manger. Se couvrir, enfin, vous connaissez bien ici. Hein. Parce que c'est surtout mettre un coupe-vent à l'extérieur. Ça, c'est fondamental parce qu'il y en a qui achètent des pour les laptops Zazou. Mais si vous ne mettez pas un coupe-vent à l'extérieur, ça ne sert à rien. Et donc, se mettre à l'abri du vent, c'est fondamental. Et manger. Manger ce qu'il faut. Et alors, ça, le corps le demande ce dont il a besoin. Dans tous les discours polaires, vous avez la même chose, la fin des graisses. On a faim de graisse. Merci. Dans tous les récits polaires, on a faim de graisse. Parce que les graisses amènent 9 calories au gramme, alors que les protéines ou les glucides amènent 4 calories au gramme. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas besoin d'aller loin pour se rendre compte. En hiver, par exemple, on mange davantage des dogues, donc de la tartiflette ou du cassoulet. Et en été, plus des salades, des fruits, des choses comme ça. C'est biologique. Et je me souviens, la première communication radio que j'ai eue avec Michel Franco, mon premier ravitaillement, parce que j'avais un ravitaillement à peu près tous les 15 jours, j'ai dit du beurre, j'ai dû le dire 100 fois pour qu'il comprenne, du beurre, beurre. Et il m'a amené une tablette de beurre, elle était dure comme des cailloux, parce qu'il faisait froid, c'était congelé, et je l'ai cassé, donc ça a éclaté un morceau de beurre, et je mangeais ce beurre, pur beurre, glace pur beurre, et ça me faisait du bien. On a besoin de ces corps gras, si vous voulez, quand il fait très froid. Donc le corps est bien fait. Donc c'est pour ça que j'aime dire, il n'y a pas de superman du froid, ça n'existe pas. On peut éventuellement, pour la télévision, ne pas se couvrir ou ouvrir le col pour le temps d'une interview, mais ça ne dure pas longtemps, histoire de montrer qu'on est quand même quelqu'un. Mais tout le monde a cette nécessité, vous connaissez bien les problèmes d'hypothermie, des accidents en montagne, à 35, on n'est pas bien, quoi, hein, déjà. Et j'avais fait un test, j'étais le cobaye, mon propre cobaye, de savoir comment la température du corps évoluait. Donc j'avais fait des tests avant et après, dans une chambre froide, pendant 2 heures, à plus 1 degré, avec un vent à 0,8 mètres seconde, à poil. C'était terrible. Et au retour, donc avant d'y aller, j'avais tremblé beaucoup, j'avais consommé beaucoup d'oxygène. Et j'avais la température des extrémités à 8 degrés, mais la température centrale de mon corps était restée à 37. Donc je suis parti pendant 2 mois au pôle Nord, en température entre moins 52 et moins 20, c'est le plus chaud que j'ai connu. Et j'ai refait les mêmes tests avec un médecin, le professeur Bittel, Jacques Bittel, qui s'occupait des chasseurs alpins. Et là, on s'est rendu compte d'une chose, j'ai consommé beaucoup moins d'oxygène en revenant. Et la température de mon corps, tout de suite, est descendue à 35,5. En fait, j'avais la température de mon corps au repos qui était 35,5. Donc, vous voyez, ce sont un peu les mêmes phénomènes d'acclimatation à l'altitude, à l'hypoxie d'altitude. On a une multitude de petits ajustements biologiques, biochimiques qui se font. Et au froid, c'est pareil. Si vous voulez, notre biochimie s'adapte. Et l'intelligente, c'est intelligent. Au lieu de consommer des calories pour rester à 37, le corps, il met tout de suite, il descend le thermostat pour entrer dans une économie. Vous voyez, c'est intelligent. Vous en doutez ?
Non. Parce qu'il y a... Oui. À vous. Avez-vous eu le temps de pratiquer la pêche blanche? C'est quoi la pêche blanche? Pêcher du poisson dans un trou de glace. Ah, le, oui, oui. Là, là. Ouais, je l'ai fait au Québec, je l'ai fait au Québec, si vous voulez. Non, mais là, il y a 3000, 4000 mètres d'eau. Je l'ai fait quand j'ai dérivé avec la cahute, là. Vous voyez, le Polar Observer, j'ai dérivé pendant 4 mois, donc j'ai eu du temps. Je l'ai fait pour essayer de... Je l'ai fait à toutes les profondeurs. J'avais jusqu'à 800 mètres de fil. J'ai jamais rien attrapé. Et mais il devait y avoir du poisson parce que j'avais un phoque qui était régulièrement à côté de moi. Donc ça voulait dire qu'il y avait du poisson. S'il est resté là pendant quelque temps, c'est qu'il avait mangé. Mais comment on appelle ça, la pêche au... La pêche. Oui, au Québec, on fait ça la pêche au... La pêche à Port-au-Nance, bien sûr. Non, on fait une petite cabane, on boit beaucoup de bière. Il y a un trou dans la cabane et on vient... Hein? Et on guette, oui. Et on attrape. Il y a un bal entier, oui, ça oui. S'appelle la pêche blanche. La pêche blanche, d'accord. Non, je vais amener ma nourriture. La nourriture lyophilisée, déshydratée. J'avais une bonne nourriture, j'avais fait une spécialité de nutrition, j'avais fait un DESS de nutrition dans le thème et le sujet de mon DESS, c'était l'alimentation en expédition au pôle Nord. Donc j'avais très travaillé mes rations, en équilibre, en valeur protéique, en valeur glucides, etc. Oui. Mais alors, à un autre moment, vous avez parlé de votre radio, et il n'y a pas beaucoup de soleil, donc comment se chargeait-elle au niveau des batteries? Ah, mais je prenais des batteries lithium-ion, j'en avais deux de rechange, si vous voulez, et pas de recharge. Mais c'est surprenant comme ces batteries au lithium-ion fonctionnent à basse température. C'est pas le plein pouvoir, mais... pleine puissance, mais c'est ça marche. Et oui. Le réchaud, le gaz. Ah, ça marche à l'essence, ce qu'on appelle le white gas. Le white gas, enfin, on achète ça au Canada. Le white gas, c'est un peu comme le liquide du détachant. Vous voyez, ça sent un peu le détachant. C'est en fait une essence qui est dont on a enlevé toute la graisse, si vous voulez. C'est très pur et ça reste fluide jusqu'à moins 70. Donc j'avais de la marge, si vous voulez. Mais c'était mon seul confort, c'était le soir, je m'octroyais 2 ou 3 minutes de respiration sur le réchaud. Quand j'arrivais, je montais la tente et sur le visage, l'air chaud sur le visage était bien. Je ne me rasais pas, donc j'avais la glace qui se collait un peu au poil. Et donc j'enlevais les blocs de glace qui étaient causés à la moustache. Ou un peu, j'étais couvert. On est couvert de glace quand on arrive, parce qu'en fait, quand on expire et qu'il fait froid, ça gèle sur les poils. Et j'étais devenu très addict à cette respiration. Hein. Voilà. Et j'aime toujours cette odeur. J'en ai pris la dernière fois, là. Quand j'étais l'année dernière, je me faisais des shoots de... Parce qu'en fait, c'est une résurrection. Vous avez tout d'un coup de l'air chaud qui rentre dans les poumons. On ne va pas pouvoir vivre longtemps avec ça, mais le peu que j'y suis resté, c'était très agréable. Du chaud sur le visage, c'était vraiment le petit moment de confort quand j'arrive le soir. Et la deuxième chose que je faisais quand j'avais respiré l'air chaud, j'enlevais les sacs en plastique que j'avais sur les chaussures, sur les chaussettes. Je mettais les pieds dans des sacs en plastique, des sacs de polyéthylène, et la chaussette par-dessus, de manière à ce que la chaussette reste sèche, quoi. Et donc j'enlevais le plastique, je lavais les pieds avec la neige, et je mettais les chaussettes qui étaient sèches, et des chaussons. Et après, j'avais un goûter très très copieux, chaud là, c'était agréable. Vous vouliez poser une question? Oui. Question moins alimentaire. Après tous ces voyages, est-ce que vos conceptions métaphysiques ont changé? Est-ce que vous avez évolué de personnalité? Oui, il y a les voyages qui participent, il y a l'âge aussi. Oui, vous voulez que je vous parle de mes croyances? Pourquoi pas. J'ai évoqué tout à l'heure, effectivement, la vie est quelque chose de prodigieux. Rien que ça me réconcilie, si vous voulez, des fois, avec la marche du monde. On a...
on fait pas attention, mais depuis tout à l'heure, là, tout le monde respire. Hein. Les cœurs battent. Il y a des nouveaux genèses qui se font chez certaines jeunes, et puis d'autres spermatogénèses en cours. Il y a la glycémie qui a été régulée. Vous voyez, le pancréas fait son boulot. Ça bosse, quoi. Hein. Les chérichia coli font leur travail dans l'organisme, on a l'immunité qui se fait, voyez, et qui s'occupe de tout ça. Et c'est d'une précision diabolique, c'est d'une grande précision. Et donc ce mystère de la vie, c'est quelque chose qui me réconcilie avec la nature au sens large, si vous voulez. Quoi, hein. Et donc, quand on entre dans la précision, si vous voulez, de cette magie de la vie, c'est ce qui me fait dire de temps en temps qu'on aurait tort de se priver de l'idée de Dieu. Vous voyez, je ne parle pas de religion, ce que je disais tout à l'heure, de magicien, celui qu'on veut, mais c'est une espèce de réconfort pour moi, je trouve ça tellement merveilleux que j'ai du mal à accepter l'idée que ce n'est que le fait du hasard. Même si je sais qu'il y a une grande part de hasard dans tout ça, si vous voulez, dans l'évolution, effectivement, si lente. Mais ça, c'est quelque chose qui est de nature à je ne parle pas de religion, hein. Vous avez compris. Mais ça, c'est quelque chose qui me rassure. Je trouve ça. On ne sait pas faire la vie. On s'est détourné des fonctions en changeant les chromosomes de place. On sait faire de l'insuline à des bactéries intestinales. On sait la détourner, si vous voulez, en mettant des gènes que l'on déplace. Mais avec de la matière inerte, on ne sait pas faire de la matière vivante. On essaye. Il y a longtemps que on essaye en mettant, je ne sais pas, un peu de manganèse, du cobalt, du calcium, du potassium, quelque chose, un arc électrique, un champ magnétique, on essaye de recréer des conditions du cosmos, quelque chose qui ferait que tout d'un coup, pff, que dalle. Donc on a réussi à faire des acides aminés. Les acides aminés, ce sont ces briques, des protéines, on les fait de ça, mais en faire un organisme complexe, et puis un organisme complexe, asexué ou pas, mais qui a envie de se reproduire, vous vous rendez compte? On a envie de se reproduire. C'est-à-dire, c'est quand vous réfléchissez à cela, c'est d'une grande banalité, mais arriver à faire un organisme vivant avec rien et que cet organisme fasse développer mettre en œuvre son animalité. Nous sommes des animaux surdoués, on a une animalité colossale. Dans la nature, on a pris le contrôle des espaces et des espèces avec notre puissance. La nature, on est sorti de l'écosystème Terre avant que l'homme arrive. Dans les animaux, les plantes naissent avec les outils pour la vie. Les oiseaux, il y a des plumes, des griffes, des poils, du venin, des crocs, quelque chose. On a les outils, l'instinct, la culture, dont on connaît les proies, les prédateurs, les stratégies. Vous voyez, et là-dessus arrive un animal mutant surdoué qui est l'homme et qui commence à faire des flèches, des arcs, si vous voulez, des bombes, des missiles, etc. On a une puissance colossale par rapport à la nature, à l'état avant que nous arrivions. Et donc il est temps qu'on reprenne une coévolution avec la nature. C'est une coévolution qu'il faut faire avec la nature. Et ça, il faut en avoir conscience. Mais il est évident qu'on a pris le contrôle des espaces et des espèces d'une force. Les espèces n'ont pas le temps de s'adapter par rapport à nos outils de destruction, si vous voulez, quoi. Hein. Donc j'ai vu un reportage l'autre jour. Bon, les espèces n'ont pas le temps. Et alors, pour les protéger, j'ai vu un truc, vous l'avez peut-être vu, un reportage où les rhinocéros, pour protéger les rhinocéros, parce qu'il y en a qui achètent leurs rhinocéros pensant que ça les fait bander, connerie monumentale. Et donc, on leur coupe la corde avec la tronçonneuse. Donc, il part sans corne. Il ne doit pas plaire, hein, peut-être, je ne sais pas. Mais. C'est pas ça. On lui coupe un atout uniquement pour le protéger, quoi, hein. Et les espèces n'ont pas le temps. Donc le principal danger de l'homme, c'est lui-même dans sa capacité, dans son animalité. L'animalité, c'est le développement de l'espèce, reproduction, développement de l'espèce, occupation de l'espace. Ça, c'est une animalité que nous avons, si vous voulez, quoi, hein. Et donc le principal ennemi de l'homme, c'est lui-même, si vous voulez, dans sa volonté de développement, on s'en rend compte. Et une autre petite bestiole qui échappe à notre contrôle, qui est le virus. Le virus est équipé de telle sorte qu'il peut muter très vite. On l'a vu cet hiver. On a fait la publicité pour se faire vacciner contre la grippe. Ah, non, trop tard.
Il a muté, c'est plus le même virus. Donc, ça peut aller très vite. Et quand on change des écosystèmes, des équilibres, on se rend compte qu'il y avait des porteurs sains, si vous voulez, mais qui étaient porteurs d'un virus, qui étaient des porteurs sains, que l'on détruit sur des écosystèmes. Et donc, le virus trouve un autre porteur qui, lui, n'est plus équipé pour le recevoir. Enfin, Ebola, c'est le type typique. Donc, le virus fait partie des choses quand même qui continuent à nous menacer. Je crois plus au virus qu'aux bombes atomiques. Je pense que là, il y a quand même une diplomatie qui existe. Si vous voulez, il y a des discussions avant que quelqu'un mette le gros pétard en route. Donc c'est des histoires de bras de fer. Quoi. Je ne pense pas que quelqu'un arrive là parce qu'il y a quand même des discussions entre les États. Mais par contre, il y en a un qui nous échappe, c'est le virus. Alors lui, et il n'a pas fini de muter. Les bactéries mutent. On a du mal à retrouver des familles d'antibiotiques qui sont... Mais il y a une malice formidable. J'ai vu l'autre jour des jeunes chercheurs qui trouvent... Enfin, il y a une intelligence prodigieuse en même temps de l'humain qui fait qu'il arrive toujours à rattraper le dégât. Mais jusqu'à quand? Oui. Ça va? Est-ce que j'ai répondu à votre question? Est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur votre prochain projet Polar 3D? Oui, et alors, moi j'ai le temps, hein, mais c'est vous avez peut-être envie d'aller manger. Il est 8h15, on terminera avec ça peut-être, mais vous avez le droit à d'autres questions encore. Oui? Non, mais je poserai la question après. Non, allez-y. Je voulais savoir un petit peu psychologiquement, donc après avoir atteint le pôle Nord et cette plénitude de bonheur par rapport à votre attente, cette forme de transe, je peux imaginer. Oui. Comment psychologiquement vous avez retrouvé le monde du quotidien et comment vous avez réussi à passer cette période, voire même à vous remobiliser? J'étais très content de revenir, hein. Sans aucun doute. J'étais content d'y aller, content de revenir, si vous voulez. Non, j'aime bien le monde. Si vous voulez, j'essaye, comme tout le monde, de se frayer un chemin le plus confortable possible, si vous voulez, le moins contraignant possible, on va dire. Mais j'aime ces alternances. Et quand je reviens, souvent, je n'ai pas le nouveau projet en tête, et ça m'a toujours excité de ne pas savoir ce que j'allais faire. Vous voyez, ne pas savoir ce que je vais faire, c'est quelque chose qui m'a toujours excité, parce que quand on ne sait pas ce qu'on va faire, tout est possible. Vous voyez, c'est cette notion, ça c'est quelque chose qui a... Et vous avez toujours eu le sentiment de pouvoir trouver un nouveau projet pour retrouver une forme de plénitude? Vous n'aviez pas eu l'impression d'avoir atteint le grade personnel? Je pense que mon prochain grand projet, c'est de ne plus partir. Et j'y suis pas encore. Non, mais bon, j'arrive à me poser. Mais j'aime ces projets. Je suis un entrepreneur, si vous voulez, de projets. Quoi. J'aime l'idée. Je vais vous parler du prochain. C'est des projets complets ou d'une construction. J'aime construire. Je suis bâtisseur. J'aime construire des nouveaux projets, des nouvelles technologies, aborder une nouvelle science, un nouveau coin, une part d'aventure. Tout ça, ça me nourrit. Oui. Juste encore une question. Comment... C'est la troisième? D'accord. Vous ne pensez pas que vous pourriez avoir un rôle différent au niveau d'être un porte-parole avec toute la légitimité que vous pouvez incarner par rapport à l'environnement, le climat, l'évolution de notre monde? C'est notre métier, ça, la politique, c'est notre métier. Non, pas être politicien, mais apporter un éclairage de spécialiste. Ministre, on me demande d'être ministre. J'ai failli. On m'a proposé. Oui, on me l'a proposé, c'est le président Mitterrand qui m'avait proposé. Oui. Enfin, bon, je peux vous en parler un peu. Le président Mitterrand m'avait convoqué effectivement pour une demi-heure d'entretien où il voulait m'aider. Ce qu'il souhaitait, c'est qu'on ait un ancrage électoral d'abord pour avoir un poste de secrétariat d'État. Il voulait me confier un poste de secrétariat d'État à l'environnement. Je partais à l'Erebus. Et donc je lui ai dit, président, je pars à l'Erebus. Et il m'a dit, là, je ne vais pas pouvoir ni vous suivre ni vous aider, quoi. Et je suis sorti de l'Elysée, je me suis dit, mais quelle connerie! Pendant un moment, je me suis dit, mais j'ai loupé ce poste. Vous voyez, c'est très flatteur, en fait. Quoi. Et j'étais bien ami avec Haroun Taziev. Et donc, je l'en ai parlé. Haroun m'a posé la main sur l'épaule, il m'a dit, t'as bien fait. Lui, on lui avait donné. Donc, il avait participé à la campagne. La première campagne de Mitterrand, La Force Tranquille. Et donc, il y avait Bombard, Taziev, donc on leur a donné un sucre d'orge, quoi. Après, donc lui, il avait trouvé un poste de secrétaire d'État aux catastrophes naturelles majeures.
Et il me disait, moi je suis arrivé là, il y avait la gendarmerie, la protection civile, les pompiers, ils étaient déjà tous là, ils n'avaient pas besoin de ministre pour la... Voilà. Donc il m'a dit, n'y va pas, il m'a dit, moi j'ai perdu la moitié de mes fans. Tout le monde adorait Arutazieff, puis il est rentré en politique, donc ça dérange un peu certains. Mais bref, non, surtout, j'ai connu, vous connaissez bien Claude Guignoret, qui a effectivement eu ce parcours, qui est un parcours flatteur. C'était Raffarin qui l'a proposé ce poste de secrétaire d'État à la recherche. Donc c'est une fille très intelligente, qui a un parcours extraordinaire. Et donc tout d'un coup, on lui propose ce poste de ministre de la recherche, en plus, qui était un truc magnifique dans lequel... Et donc elle a trinqué sérieusement. Parce qu'elle n'était pas du métier. J'ai entendu Raffarin dire, on a été salaud avec elle, on l'a envoyé au front. Ça. Elle m'a dit, il m'a manqué deux choses. Il m'a manqué d'arriver avec une équipe, c'est-à-dire d'avoir déjà du métier, avoir une équipe. Parce que les hommes politiques sont très entourés. Il faut être entouré avec des gens de confiance, etc. D'avoir une équipe. Et deuxièmement, d'avoir un copain à Bercy. Si vous n'avez pas un copain à Bercy, si on vous demande 200 millions pour refaire l'université de Grenoble, pour refaire un truc là-bas, vous pouvez téléphoner. Oui, d'accord. Mais on va regarder ça. Oui, Claudie, on va regarder ça avec intérêt. Mais si vous n'avez pas quelqu'un qui... Voilà. Vous voyez donc... C'est une chasse en même temps, chaque ministre essaye de trouver ça. Voilà. C'est un vrai combat permanent. Les idées, ce sont des chevaux de bataille, simplement. Quoi, hein. Mais après, c'est la bataille. Un homme politique, il vise à être élu. Mais c'est heureusement qu'il y en a qui le font, si vous voulez. Mais je suis consulté régulièrement, je fais des interventions au Sénat ou à l'Assemblée, il y a des comités. Et donc, je porte ma parole, je fais dans les... C'est pas global, mais vous savez, j'étais à Strasbourg, c'était jeudi, à la région. L'hôtel de région a fait une journée spéciale, changement climatique, et qu'est-ce que doivent faire la région, la ville de Strasbourg, etc. Donc on est dans l'hôtel de région, il y a le grand amphithéâtre, rond, comme ça. Et donc moi j'étais assis à la droite du président. J'étais la référence pour intervenir. Et en fait, donc, il y en a toujours qui veulent changer de paradigme, il faut changer le modèle économique, il faut changer machin et tout. So what? D'accord, je veux bien qu'on change tout, vous voyez? Et donc, ma devise, je leur ai donné ma devise, soyez efficace dans votre périmètre d'influence. On a tous un périmètre d'influence familial, hein, c'est pas facile des fois de changer les habitudes de la famille, familial, professionnel, industriel, politique, on a tous un périmètre d'influence. C'est là qu'il faut être efficace. Après, bien sûr, plus on rayonne, plus on a de l'efficacité, mais vous vous rendez compte que plus on traite grand, moins on a de la performance, plus c'est compliqué, quoi. Il y en a un qui commence à se débrouiller pas mal à l'heure actuelle, c'est le pape. Le pape vient de faire une déclaration intéressante parce qu'en fait, il touche à la conscience. Et il y a un lien très très fort entre les fidèles et le pape. Lui peut être efficace, si vous voulez, il a fait dans sa dernière encyclique sur l'environnement, c'est très intéressant ce qu'il dit, il a eu cette audace-là. Mais il faut être... Donc il a un périmètre d'influence de quelques milliards de fidèles, donc lui il a un périmètre d'influence. Mais d'une manière générale, même le président des États-Unis, qui a quand même un impact colossal, il est très limité, vous voyez, la politique c'est quelque chose d'autre. Il faut être né dedans assez tôt, parce que c'est un truc de combat, vous voyez, je me satisfais... Je suis content d'avoir mis les pieds dedans parce que c'est extrêmement flatteur. C'est extrêmement flatteur. On m'a proposé après d'autres. On en a proposé d'autres. Pareil, j'ai appris que j'étais sur des listes de baladure. J'ai appris par la bande que j'étais sur des listes. Puis après, vous avez ceux qui vous flinguent parce que c'est comme ça que je l'ai appris. Parce que c'est des postes très recherchés, l'engagement politique. L'homme politique, il rêve effectivement d'être à la droite du père, quoi. Hein. Bon Dieu, plutôt. Alors, le prochain projet, est-ce que tu n'as pas d'autres informations, non? Tu n'as pas des images, hein? Non. Ah non, elles ne sont pas arrivées. Et ça ne fait rien. Je vais faire des gestes. Je vais le mimer. C'est pas arrivé. Non. Je fais un navire vertical. Un navire vertical, ne vous grattez pas la tête. En fait, ça va se passer autour de l'Antarctique. Là, j'étais au pôle Nord pendant un moment avec vous. On a changé de pôle. Là, c'est à l'Antarctique, c'est au sud. Le continent Antarctique est grand comme 28 fois la France.
et il est recouvert par 2500 mètres de glace d'épaisseur. 2,5 km de glace sur 28 France. Vous voyez l'immensité du glaçon qu'il y a là-bas. C'est la réserve d'eau douce de la planète. Et tout autour, vous avez ce que les marins appellent les 40e hurlants, 50e rugissants, etc. Donc c'est un océan qui tourne autour de l'Antarctique en permanence, qui fait le tour du monde, comme ça depuis des millénaires, qui est poussé par ces 5 dépressions qui tournent autour de l'Antarctique. Et cet océan, il joue un rôle important, c'est un puits de carbone, c'est une réserve de biodiversité importante, et toutes les communications sur cet océan se terminent. On a besoin de mesures in situ, c'est-à-dire on a toujours besoin d'envoyer l'homme dans ce secteur-là. C'est compliqué aujourd'hui, l'homme de science est devenu trop cher en mer. On ne peut pas envoyer des gros bateaux océanographiques sur des durées longues. La France a la chance d'avoir Kerguelen, Crozet, Amsterdam, ces îles, les terres australes et antarctiques françaises, bien qu'il y a un navire sans arrêt, le Marion Dufresne, qui fait de la Réunion jusqu'à Amsterdam et qui amène des scientifiques. On a aussi du Mondeville avec ce bateau, l'Astrolabe, qui fait le ravitaillement entre la Tasmanie et du Mondeville, donc qui amène aussi de temps en temps des chercheurs. L'Australie a un navire, mais il y a très peu de recherches. Et donc, c'est ça qui a commencé à m'intéresser, quel type de bateau, quel type de vaisseau on peut trouver qui permette à un petit groupe de chercheurs de séjourner sur cet océan de tempête dans des bonnes conditions de confort et de sécurité. Et donc, je me suis rapproché d'un bureau d'études de l'Orient et il m'a dit qu'il faut faire un grand flotteur. Donc, on a dessiné un flotteur qui fait 120 mètres de haut. Il y a le niveau de la mer est là, il y a 80 mètres sous l'eau. Parce qu'en fait, le bateau, il est posé sur la surface, là où il y a des vagues. Donc le bateau, il bouge, parce qu'il y a des vagues. Si vous voulez échapper aux vagues, il faut avoir un tirant d'eau très profond. Et là, vous êtes enserré, vous êtes pris dans des eaux beaucoup plus calmes, si vous voulez. Donc vous voyez, donc les vagues nous passent dessus, mais elles ont beaucoup moins d'influence que sur le bateau. Voilà. Donc on a fait ce vaisseau qui fait 120 mètres hors tout. Et on va habiter à 15 mètres dans une cahute comme ça, à 15 mètres au-dessus de la mer. Donc il va être construit en principe en 2016. Je pense que j'ai trouvé les ronds, c'est ce qu'il y a de plus compliqué. Ça fait 4 ans que je travaille dessus. Et je pense que j'ai trouvé le partenaire pour le construire. En 2016, normalement, il va être lancé en 2017 dans cette circonférence de circumnavigation autour de l'Antarctique, qui, d'après les simulations de Météo France là, et de Mercator, devrait durer 3 ans. Donc il est déplacé par le courant, il est fourni à l'énergie par 4 éoliennes qui sont dessus, donc on est vraiment un navire zéro émission, et surtout qui est autonome et qui peut rester sur place longtemps, il va rester 3 ans, donc des relèves d'équipage bien sûr tous les 2 ou 3 mois, 7 personnes à bord, 3 marins et 4 ingénieurs ou techniciens. On a une plateforme d'acquisition de données. Vous voyez, on fait de l'acquisition de données et on envoie les données à terre aux chercheurs. Donc à bord, il y aura des personnes qui savent faire marcher les capteurs, les régler, les réparer. Voilà. Et j'ai présenté ce projet, j'ai habité aux États-Unis pendant 2 ans pour travailler sur ce projet. Je l'ai présenté bien sûr à beaucoup d'universités aux États-Unis. Maintenant en France, en Afrique du Sud, en Australie, là maintenant en Chine, j'y suis pas allé. Donc ça a un succès planétaire, c'est formidable. Et donc, il y a 3 sujets qui émergent. J'ai reçu à peu près une quarantaine de lettres d'intérêt. Il y a 3 sujets qui émergent. D'une part, les échanges entre l'atmosphère et l'océan. C'est un puits de carbone. Le CO2, le gaz carbonique, se dissout plus facilement dans les eaux froides que dans les eaux chaudes. Donc c'est ce qu'on appelle un puits de carbone. Quelle est sa performance? Est-ce qu'il est efficace encore aujourd'hui? Ce sont des mesures qu'on va faire, mesurer les échanges entre l'atmosphère et l'océan. Ça, c'est grand ordre qui est demandé par tout le monde aujourd'hui. Deuxièmement, comme on a 80 mètres de tirant d'eau, qu'on n'a pas de moteur, on est silencieux, on va mettre des hydrophones. Ce sont des micros sous l'eau qui vont écouter. Et donc on va faire un inventaire de la faune par acoustique. On connaît aujourd'hui la signature sonore de toutes les espèces. Et donc en écoutant, on fait des coches. Hein. Enfin, ça se fait automatiquement, donc on va faire un très bon inventaire. On le fait. Normalement les inventaires se font sur le pont du bateau avec des jumelles, bon, on est vite malade. On regarde les oiseaux, t'as vu le piaf, ça a soufflé, t'as vu la baleine. Là, c'est différent, on va écouter. Et donc, on va pouvoir faire un inventaire. Et troisièmement, la validation des mesures satellites. Les satellites sont des grands observateurs de la Terre, bien sûr, c'est ceux qui nous explorent en permanence, jour et nuit, dimanche, semaine, et puis non-stop. Et ils passent sans arrêt sur les mêmes endroits, et donc c'est ça ramène de la mesure qui est fiable.
mais on a toujours besoin d'avoir quelqu'un au sol qui fait le ground truth, la vérité terrain. Et donc dans ce secteur, il n'y a personne, et donc on a une demande de l'Agence spatiale européenne, bien sûr du CNES, de la NASA, des Australiens, sur ces validations des mesures satellites. Donc c'est un projet absolument magnifique, qui est énorme en termes d'intérêt. Il y a une nouvelle construction qui est formidable. Je vous invite à aller voir, ça s'appelle Polar, comme polaire, et POD, POD, plateforme océanographique dérivante. POD, POD, plateforme océanographique dérivante. Allez sur un site qui porte mon nom, et vous verrez, il y a un film d'animation, parce que, en fait, vous pouvez pas, on ne peut pas amener le truc comme ça à la verticale. Vous voyez, il y a trop de tirs en eau, on ne peut pas le tirer. Dans l'intelligence, on l'a prise dans un navire aux États-Unis. C'est comme on l'amène à l'horizontale, on le tire, il glisse sur l'eau, et quand on arrive sur zone, on ballaste, et il bascule. Voilà. Et quand il a basculé, il prend sa forme de travail, si vous voulez, très stable. Voilà, normalement, ça devrait partir en 2017. Des questions? Oui. Dans votre parcours de vie, je vais parler de vous, votre plus beau souvenir ou votre moins beau souvenir? Si vous en avez un qui revient plusieurs fois. Bon, je vous ai parlé du moment magique d'arriver au pôle Nord, mais j'en ai plein. Oui. Vous savez ce qui est les moments formidables? C'est le jour où vous avez l'idée. Vous voyez, l'idée qui vient, mais bon sens, ce truc-là, oui, c'est pas mal, c'est intéressant, puis vous lisez un peu, vous coupez, vous recroisez, puis net. C'est vrai. Au centre du triangle, là, il y a une place. Là. Il y a une place pour ce projet qui n'a pas été fait, qui permet d'eux, donc vous... Voilà. Donc le jour de l'idée, c'est bien. C'est pour ça que c'est ça qui vous nourrit, à un moment donné. On a tous, à un moment donné, à se dire, putain, mais c'est exactement ce que je voulais faire. Vous voyez, vous avez tous eu ça dans votre vie, à un moment donné, le truc qui... Mais oui, c'est ça. Et après, il faut le faire. Et donc c'est compliqué, c'est là qu'il faut tenir. Il faut tenir les tentations de l'abandon. Il faut, voilà. Mais régulièrement, je me sers l'instant. Vous voyez, j'appelle ça remettre le rêve à la surface. Remettre le rêve à la surface, c'est ce qui vous a mobilisé à un moment donné. Donc ça, ce sont toutes les expéditions. Bon. Puis il y a des rencontres. Vous voyez, je vous ai parlé de ce chirurgien qui, à un moment donné, dit « Abbé Étienne ». Ça, c'est inoubliable, c'est indélébile. C'est des rencontres, Tavarly. C'est plein de choses, quoi. Mais ce qui a structuré beaucoup ma vie, c'est ce pôle Nord. Effectivement, j'ai arrêté les consultations à ce moment-là, puis je me suis dit, là, je suis revenu du pôle Nord avec deux outils intéressants. Un début de notoriété, qui est intéressant, la notoriété. Quand vous arrivez dans un restaurant, on vous dit c'est complet, mais on vous reconnaît, on vous trouve une place. Vous voyez, c'est le truc tout con, mais c'est agréable. Et ça, c'est un outil social intéressant, la notoriété. Mais surtout, je suis revenu avec une confiance en moi. J'avais été équipier jusque-là, et tout d'un coup, j'étais le patron. J'avais inventé l'histoire, j'avais trouvé les moyens de le faire, je l'avais réussi. Voyez. Et donc, donc, cette expédition au pôle Nord est un moment... voilà. Puis j'ai des frustrations. J'ai des frustrations, je n'ai pas tout réussi. J'ai une frustration, j'ai adoré le rugby. J'étais demi-mêlé au Castres Olympique. Mais j'avais un souffle au cœur fonctionnel qu'on a trouvé à une visite médicale et on m'a interdit de... C'est une connerie mentale, mais enfin j'étais extrêmement frustré, j'ai très mal vécu. Et la deuxième, c'est la chirurgie quand même, c'est quelque chose qui m'avait énormément mobilisé. Et c'est vrai, je le dis, mais quand je découpe un poulet, je passe par les aponévroses, je passe à des chirurgiens dans la salle, mais je le fais proprement. Je fais une petite dissection. Et voilà, je désosse jusqu'à l'articulation. J'adore la dissection, j'adore cette approche-là. J'étais avec un patron qui était un agrégé de chirurgie, qui était brillantissime, quoi. Et il me faisait, on partait en expédition, tiens, regardez, c'est un Parisien, tiens, regardez. Donc il me faisait visiter, c'était formidable. Donc le corps humain, je l'ai exploré aussi en chirurgie, et donc c'est ce qui m'épate. Je suis épaté par les corps humains. Oui. Quelle image vous gardez de Éric Tavarly? Quelle meilleure image, meilleur moment? Le jour où j'ai reçu sa lettre. J'ai reçu sa lettre, j'étais assistant à la fac, et je reçois ce courrier, petite écriture que j'ai toujours. Est-ce que vous voulez faire la course autour du monde? Je cherche un médecin. Waouh! Et là, j'ai dit oui. Donc ce moment, je me souviens, j'étais à la fac à Toulouse, et c'était à la boîte aux lettres en février où il y avait du brouillard, je me souviens, une journée ordinaire. Vous voyez. Bon, à la boîte aux lettres, Tavarly.
Et là, tout d'un coup, c'est vraiment... Alors, en plus, c'est un homme qui était taiseux, mais qui était... il gouvernait sans rien dire, en silence, quoi. Il avait une légitimité, mais il était très respectueux des équipiers. Il avait 48 ans, et la moyenne d'âge, c'était 24. Donc, il aurait pu être le père de ses équipiers. Donc, en escale, on faisait la fête. Et donc, il arrivait le soir, il avait été invité, il était toujours invité à la gendarmerie, vous voyez tous les trucs officiels, il allait bouffer. Et il revenait, on l'a souvent vu, il s'allongeait par terre, où il pouvait dormir partout, Eric, ou sur un banc, en attendant qu'on termine un peu notre fête, parce qu'il savait que s'il descendait, ça s'arrêtait. Donc il avait un respect de l'équipage. Quoi. Et il était extrêmement radin, mais je l'ai compris après, parce que mener un bateau comme ça, si vous voulez, on est en flux tendu tout le temps. Quoi. Vous voyez, j'ai des souvenirs pour la troisième étape de la course autour du monde. On avait fait Auckland, le Cap Horn et Rio. On était à Rio. Et donc, moi, j'étais sorti. On avait débarqué avec Tito Lamazou. Et on revient au Yacht Club. Et Eric était à table avec Philippe Poupon. Et il mangeait une glace. Et donc, on arrive avec Tito, on s'installe. Et lui, il dit, j'invite Poupon, mais pas vous. Hein. C'était Eric, toujours dans la défensive. Mais bon, quand vous aviez ça sur votre carte de visite, course autour du monde avec Eric Tabarly, c'était pour moi, pour ma vie, un support extraordinaire. Mais je fais aujourd'hui des conférences dans les lycées. En terminale, je dis, j'ai fait la course autour du monde avec Tabarly. Ça ne moufte pas. Qui connaît Tabarly? Ça, c'est la trappe. Ah oui, oui. Qui connaît Cousteau? À la frappe. Non, soyez pas. Faites l'expérience. 17, 18 ans, ils ont d'autres choses à faire. Si vous voulez que Tabarly. Ah oui, oui. Ils connaissent plus Cousteau, ils connaissent plus Tabarly, mais ils en connaissent d'autres. Et vous avez connu Cousteau? Cousteau, oui, je l'ai connu, oui. C'était pas la même chose. Cousteau, il me saluait quand j'étais avec quelqu'un d'important. Si j'étais avec quelqu'un d'important, il ne me connaissait pas. Bon, il était très occupé. C'était une personnalité planétaire, Cousteau, si vous voyez. On était dans d'autres sphères. Mais bon, c'est lui qui nous a quand même éveillés sur l'océan. Oui. Alors, et pour finir... C'est la troisième question pour vous. Oui, mais j'en aurai encore une autre. Oh. Pour finir, à quelle distance avez-vous vu votre premier ours? Le premier, moi, j'étais sur le bateau. Donc assez oui, près. D'accord. Après, j'ai vu des traces fraîches. Très, 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 très fraîche. Et donc, il ne devait pas être loin. Je ne l'ai pas vu. C'était un endroit en pôle nord. Bien. Encore une. Oui, monsieur. Alors, moi, c'est une question un peu plus, pas philosophique. Votre livre s'appelle Persévérer. Oui. Pourquoi vous ne l'avez pas appelé S'entêter? S'entêter? Je trouvais que c'était plus joli, Persévérer. S'entêter, ça ne m'est pas venu à l'idée. Parce qu'en fait, dans la persévérance, il y a une construction. Peut-être dans l'entêtement aussi. Dans l'entêtement, on a l'impression qu'on est en train de pousser un cul-de-sac, qu'il ne s'ouvre pas. Dans la persévérance, il y a une construction. Je passe mon temps, si vous voulez, je termine là-dessus. Ces expéditions, ça demande beaucoup de... Surtout le montage, si vous voulez. L'affaire, c'est le gâteau. Mais la construire, trouver les moyens pour la réaliser, c'est compliqué. Et il faut être proactif. C'est ce que je dis tout le temps dans les conférences que je fais. Être proactif, ne restez pas assis. Envoyer sans arrêt des bouteilles à la mer. Il faut aller sans arrêt faire vivre l'histoire. Donc moi, j'ai des cartes de visite chez moi, j'en ai des caisses de chaussures pleines, et de temps en temps, je les ressors, je dis, tiens, celui-là, il ne m'a pas rappelé, tiens, celui-là, c'est vrai qu'il y a 2 ans, je l'avais contacté, il ne m'a pas... Voilà, donc, je lance des mails pratiquement tous les soirs, 2 ou 3, là, des rafales, je me dis, bon, et je termine la journée en me disant, j'ai tenté quelque chose, vous voyez. Et c'est important, je lis beaucoup la presse. Il faut sans arrêt essayer de mettre son projet dans la marche du monde. J'étais parrain des thésards du Muséum d'Histoire Naturelle de Paris. Ils étaient 60 à peu près. Et je ne sais pas si vous avez vu des thèses de Muséum d'Histoire Naturelle, mais déjà l'intitulé est invitable. Alors, il n'y avait pas à comprendre de quoi il s'agit. Et donc, on avait fait la cérémonie, puis après, il y en avait une dizaine qui étaient là. Je dis, mais avec ce qu'on a fait, avec une thèse comme ça, on ne va pas trouver du travail. Je lui dis, avec cette thèse-là, tu es sûr de ne pas trouver du travail. Mais, est-ce que tu as fait l'effort d'expliquer simplement à tes amis, à ta famille, qu'est-ce que tu fais? Quelle est la démarche?
vers quoi, qu'est-ce que tu cherches, comment ça s'inscrit dans la marche du monde, voilà. Et donc ça, c'est un travail que je fais tout le temps, de simplification, tout le temps, de mettre en scène les connaissances. C'est important, c'est un travail d'enseignant, de mettre en scène les connaissances, de les rendre attractives, si vous voulez. C'est un travail que je fais, donc je suis sans arrêt en train de travailler dans ce sens de simplification. Et il est évident que tu leur as dit, l'intitulé de la thèse ne va pas vous ouvrir des portes. Par contre, on sait que vous avez fait une thèse de troisième cycle. C'est-à-dire que vous savez structurer un projet, vous savez faire des enquêtes bibliographiques, vous savez faire des synthèses, des analyses. Donc c'est ça qui est intéressant et c'est ça qu'il faut que vous... Et puis si vous avez quelque chose qui a ouvert, qui vous ouvre sur le monde, allez-y avec ça. Mais ne pas rester inactif, c'est fondamental. C'est ce que je fais. Alors donc j'ai l'impression d'avoir la passion. Hein. J'ai une passion, c'est vrai, mais la passion c'est comme le feu. Si vous ne mettez pas des bûches, ça s'arrête. Quoi. Donc c'est sans arrêt être en action, c'est peut-être ce qui nous donne envie de continuer. Donc vous avez compris qu'il n'y a pas d'âge pour se faire plaisir. Bonsoir.